Salut, salut! Coucou tout le monde, on espère que tu as passé une bonne semaine. Cette semaine, on t'emmène avec nous découvrir une petite partie du Laos. Si tu ne le sais pas, c'est notre pays coup de cœur. On est venu déjà donc, en octobre 2019, au début de notre voyage. On y avait passé 3 mois dans une petite partie du nord. On a passé beaucoup de temps avec les moines, avec les enfants. Nous avons même créé notre association pour aider l'association de Mongkobi qui se trouve à Luang Prabang. Keep Helping Each Other. Si tu souhaites en savoir plus, je te mettrai le lien dessous avec notre association, la sienne, si ça t'intéresse. Et donc du coup, là, on va vous faire découvrir les premiers moments à Luang Prabang, parce qu'actuellement, on est dans le nord du Laos. Donc on te souhaite une bonne vidéo et on te reprend tout à l'heure. Moi, c'est Ilan. Moi, c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui, on te partage notre aventure. Pas commencer un voyage au Laos sans te montrer le Mekong. Rivière sacrée de l'Asie du Sud-Est, il trouve sa source sur les hauteurs de l'Himalaya. D'une longueur d'environ 4350 km, il traverse la Chine, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Cela fait plusieurs jours que tout le Laos fête Pimaï, le nouvel an Lao. Depuis plusieurs jours sur le même spot, nous sommes invités à la fête du village. Au programme, danse, bière Lao. Et je suis même invité à aller boire du Lao Lao, whisky maison. Oh là là, on avait trop hâte de retrouver notre artiste Lao, rencontré il y a 3 ans à Luang Prabang au Night Market, aujourd'hui on customise Maui. Dirige vers le centre de Souremuet par les sœurs de Luang Prabang. Ça fait maintenant 3 ans qu'on parraine Nong et à cause du Covid, on n'avait pas pu encore le rencontrer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour nous. Créé en 2006 par sœur Marie-Catherine, ce centre accueille aujourd'hui 80 enfants, tous sourds-muets. Ils apprennent à parler en langue des signes, mais aussi à lire, à écrire, la mécanique, l'informatique, le tissage. Chaque jour, les enfants s'occupent des animaux, du jardin, du linge, font à manger. Ils apprennent un maximum à devenir autonomes dans la vie.
après la visite du centre, nous reprenons la route en direction de l'école. Tu vas parler, il y a du bruit. Oui, toujours avec le fond d'accord. Ah, en fait, c'est comme si... En fait, ils parlent, c'est juste qu'ils ont... C'est comme si tu coupais la langue, quoi. Fausse joie, du coup l'on n'était pas là, il y a eu une mauvaise compréhension avec la sœur, avec la bambou, donc la bénévole de Enfants du Mékong, et puis voilà, du coup il est parti avec sa famille, il est parti pour le Pimaï à Vientiane, donc le Pimaï c'est le nouvel an là-haut, donc ma foi c'est pas grave, on a profité, on a passé du temps là-bas avec donc les enfants, ils ont visité Maui, c'était vraiment super sympa, et puis on va regarder pour le voir là dans les prochains jours. Traduit du laotien par quête matinale des bonzes, le Takba est un rituel de procession, une tradition sacrée et millénaire. Colline sacrée, symbole de spiritualité, le mont Fuji domine la ville avec ses 100 mètres de haut. Point culminant de Luang Prabang, il offre une des plus belles vues sur la ville. Il est 7 heures, on poursuit notre balade au marché du matin. Fruits, légumes, viande, poissons, mais également grenouilles, insectes, écureuils, dépaysement assuré. น้องนั้นท่านนั้นสันเสริญดีเลยท่านเลยท่านเลยถูกไหมจะบอกกันที่ไหนออเรนจ์ออเรนจ์จะพาเราไปเอาเงิน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 เอาเง
Aujourd'hui, il fait très chaud. Nous prenons la route pour profiter de la cascade Kuangsi. Bon, alors ça c'est nouveau, nous quand on était venus, il n'y avait pas du tout, on pouvait monter directement avec nos véhicules. Ça nous rappelle vaguement la Chine, il va falloir prendre des petites voiturettes. Je pense que ça va rappeler des souvenirs aux copains qui étaient avec nous en Chine. Un petit QR code. On dirait le parc engagé. Hein. On doit aller en dry season sur la marche. Et on est en quelle saison là? En cold season. Mais non, c'est bon, on est en saison sèche. Je reviens quand même sur le cold season. Tu peux me dire combien il fait de degrés ici? 42. 42. Est-ce que tu penses vraiment qu'on est en cold season? Non. Ah, ok, on est d'accord. On peut aller prendre là-bas manger. En Krav Miao, Lao Salade, Morning Glory. Bon alors effectivement on n'est pas fan de tout ce qui est animaux en cage. Et voilà, on passe à côté, donc on vient les voir quand même. Ils sont quand même très beaux. Ah il est monté par la branche ? Non, mais regarde. Mais il va par où ? Comment il fait ? Regarde, il est coincé là. Avec sa cascade de 50 mètres de haut, ses différents niveaux, sa jungle, Kuangsi est un incontournable de Luang Prabang. Je présente Schtroumpf Grincheux. Il est là. Et il fait que ça. Allez, petit chou. On a une heure et allez, une heure.
Allez, ça va le faire. Ça. Avec ce côté Martinique. Ah bah voilà, un peu de motivation, c'est parfait. Passer le vent juste pour faire là. Ouais, mon petit chou, allez. Je vais partir comme là-haut. C'est-à-dire? Je vais pas dire dans la caméra. Ah ouais, bah vaudrait mieux pas. Je ne vous dis pas, avec les 40, 42 degrés qu'on a à l'extérieur, comme ça fait du bien, c'est tout ce qui marche là. C'est trop bien. Que oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rando, mais en plus c'était super chaud. Et puis le panorama est quand même magnifique. Eh, nickel. Maintenant tu fais le retour. Ah, il va arriver, il faut te dépêcher. Hein. Oh, Ilan, ça fait. Maman, fais pas. On espère que ce petit bout de voyage avec nous t'a plu et n'hésite pas de nous laisser un commentaire. Si tu veux liker, tu peux liker, autrement partage et abonne-toi. Tu peux nous suivre également sur Insta ou sur Facebook chaque jour dans les stories ou aussi sur les articles que je publie. En attendant, on te souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain. Semaine prochaine, ciao.